Ah, mais il y a l'autre qui danse. Isadora. Bonjour, bonjour. Qui êtes-vous? Un fantôme? Hein? Haha. Pas que je sache. Vous êtes sûr? Oui. C'est une excellente nouvelle. C'est clair. Et donc, qui êtes-vous? Isadora. Et vous, détective Grenouille, pour vous servir? Salut, salut! Attendez voir, Isadora. Ce nom me dit quelque chose. Je suis assez populaire parmi les danseurs du coin. Non, ce n'est pas ça. Oh, vous êtes l'ami de Martin? Ouais? Qu'est-ce que vous faites dans cette grotte? Je répète pour le concours de danse. C'est demain. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Purée, maintenant que vous le dites, ça va faire 2 bonnes semaines. J'ai perdu la notion du temps. Ah 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 ah. Minute, oisillon. 2 semaines? Vous n'avez pas croisé un fantôme par hasard? Ah non. Je suis complètement solo. Martin est-il au courant de votre présence? J'en doute. Il ne met jamais les pattes ici. Pourquoi donc? Il croit que tous les espaces sombres sont tentés. À force de lire des trucs qui font peur, il voit des fantômes partout. Tant mieux pour moi, c'est le coin parfait pour répéter. Vous dansez depuis 2 semaines, sans interruption. Ah ah ouais? Vous êtes épuisé. Je fais des siestes, faut pas croire. Et ces champignons sont nourrissants comme tout. Les champignons, c'est immonde. C'est votre opinion, détective? Non, c'est une vérité universelle. Okidoki. Quoi qu'il en soit, Martin est dans tous ses états parce qu'il entend des bruits bizarres sur l'île. Savez-vous d'où proviennent ces bruits? J'ai pas mal écouté la radio en répétant. C'est quoi, c'est un véritable mental. Il y a des trous partout. Le son de votre radio pourrait être tout à fait remonter jusqu'à la surface et ressortir complètement déformé. Savez-vous que vous étiez coincé ici, en fait? L'entrée de la grotte était obstruée par des rochers. Haha, pour de vrai? Haha, et oui. C'est trop drôle. Vous avez pu mourir, somme toute. Haha, du coup, il y aurait vraiment eu un fantôme dans la grotte. Vous n'avez pas vu les choses sous cet angle. C'est marrant. Ah ah, bref, vous devriez retourner sur l'île. Ouais. Isadora? Coucou Martin. Salut. Hello. Yo. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans la grotte. Tu étais où? Comment t'as fait pour entrer? Ça fait des semaines que l'accès est bloqué. 2 semaines pour être exact. Mais alors, figurez-vous qu'il n'y a jamais eu de fantôme sur cette île. C'est juste Isadora qui répétait dans la grotte. Elle était si absorbée par son art qu'elle n'a même pas remarqué l'éboulement. Le son de sa radio remontait à la surface et l'écho lui donnait des accents effrayants. Mais, et mes livres de fantomologie? Je suis convaincu que j'avais affaire à un fantôme? Bah non, c'était moi. Et moi. Comme quoi, il ne faut jamais faire confiance aux livres. Internet est 1000 fois plus fiable. Ah ah ouais, le livre raconte n'importe quoi, sans exception. Absolument. Bonjour, pardonnez cette petite interruption. J'espère que vous passez un beau moment. Je vous retiendrai pas longtemps. Bien que je sois généralement en accord avec les opinions de notre détective, les livres peuvent s'avérer très utiles et informatifs dans certains contextes. Seul de vérifier la validité des sources de l'auteur, de l'autrice ou auteur. C'est vrai que les livres soient bien à jour. Internet est également une très bonne source d'information, condition de faire la part des choses et de consulter des sites de confiance. Merci pour votre attention. Faites bien de la suite du jeu. Bref, tout ça pour dire que les livres n'ont rien à faire dans notre société. C'est vrai, vos arguments tiennent carrément la route. Les livres sont 100% inutiles. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Avec grand plaisir. Donc si je comprends bien, tu répètes ta chorégraphie pour le concours de danse depuis 2 semaines. Ouais. Je suis pas là pour enfiler des perles, je veux gagner. Je veux dire que je ne sais toujours pas exactement en quoi consiste ce concours. Concours de danse. La personne qui danse le mieux gagne le concours. Qui participe, à part vous deux? Bonne question. C'est vrai que c'est plutôt un duel. Non, il y a aussi Riri la souris. Qui? Riri fait partie de mon équipe de fantomologues. Mon équipe de quoi? Tu sors d'une grotte ou quoi? Laisse tomber. Donc il faudrait plus de monde. Je connais une brochette de scientifiques dévoués qui auraient bien besoin de se changer les idées. Ils seront plus là demain, malheureusement. Alors on n'a qu'à faire le concours aujourd'hui. Oh oui! Oui, ouais! Avant de me déhancher, je voudrais juste vous dire merci d'avoir résolu ce mystère, détective. Aucun problème. C'est un véritable travail d'équipe. C'est Larry qui a compris d'où venaient les bruits. Larry, c'est le homard, c'est ça? C'est lui qui coupe tout le temps la parole. Voilà. Je vais passer le remercier lui aussi. Alors on danse? Alors on danse. C'est parti. Et voilà, on a terminé le jeu.
Incroyable. Sérieux que tu es sous LSD. Allez, on s'est assez entraîné. Mais on n'a pas de jury ici. Je m'en charge. C'est pas foufou le breakdance, hein. Fait qu'ils s'entraînent 2 semaines pour faire ça. Vous êtes berg, c'est ça. Petit homard. Il fait la chenille. Décerner le trophée. Enfin, j'avoue que le coup de la chenille, ça m'a un peu tué quand même. Hein. Putain, il y a des fins différentes. Incroyable. Bravo.